Les néos, ces Français d'Algérie d'origine espagnole, tentent d'exprimer à travers la mouna et la fidèle voix d'Émilie, gardienne du passé, leur souffrance, joie, partage et tradition avec la fierté et la passion qui se rattachent à leur histoire. La mouna est une recette pour exorciser la nostalgie d'une terre perdue à travers un pèlerinage, une fresque humaine tragique et tendre à la fois. En visitant ma mémoire et celle de mes ancêtres, dit Émilie, goûter à ce morceau de mouna, c'est partager sa saveur, à Santa Cruz comme ailleurs. L'expression récurrente, Fuera mi amo, est porteuse d'un sens très fort. Elle dit que celui qui la profère sort de ses limites. Il s'expanse en un élan vers l'explosion de ses frontières intérieures et vit un essor de l'être en sortant hors de ses contraintes mêmes. Il atteint un espace propre de liberté et de jouissance. Cela rejoint la puissance du vœu, la volupté de l'élévation que donne la vue d'une mer sauvage et imprenable, le saut risqué, le fondement même du dessein de vie des immigrés espérant une terre d'asile.